Le petit Nicolas. Qui aurait pensé, avec les années, que le petit héros créé par Sempé et Goscinny garderait autant de punch? Quels sont les ingrédients de son succès? Et au fait, comment vont ses copains? Ceux d'hier, mais également ceux d'aujourd'hui. Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents, parce qu'on va prendre une photo de la classe, qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir toute notre vie, comme nous l'a dit la maîtresse. C'est avec plein de brillantines sur la tête que je suis entré dans la cour de récréation. Tous les copains étaient là. Le photographe était là aussi, avec son appareil. Et la maîtresse lui a dit qu'il fallait faire vite, sinon nous allions rater notre cours d'arithmétique. Le photographe a décidé que nous devions nous mettre sur 3 rangs. Le premier rang assis par terre, le deuxième debout autour de la maîtresse et le troisième debout sur des caisses. Il a vraiment de bonnes idées, le photographe. Nous, on y est allés. Le photographe était en train d'expliquer à la maîtresse qu'on obtenait tous des enfants quand on était patient. Mais la maîtresse n'a pas pu l'écouter jusqu'au bout. Elle a dû venir nous séparer parce que nous voulions être tous sur les caisses. L'histoire du petit Nicolas commence en Belgique, dans le magazine Le Moustique, dans lequel le dessinateur Jean-Jacques Sempé publie chaque semaine un dessin humoristique. Le directeur de cet hebdomadaire belge me disait toujours « faut trouver un nom, faut trouver un nom ». Vous savez, moi j'avais été tout heureux qu'on me demande un dessin humoristique hebdomadaire, avec un petit gosse. C'est ce qu'il m'avait demandé. Alors, les noms, moi, je savais pas, moi. Et puis, un jour, j'avais rendez-vous avec lui, il m'avait écrit, on avait rendez-vous à telle heure, à tel endroit, et je n'avais toujours pas trouvé de prénom, et puis j'ai pris un autobus, et en prenant l'autobus, j'ai vu, il y avait une publicité pour les vins Nicolas. Hein, là, je ne fais pas de publicité pour ce vin-là, mais enfin, c'est comme ça. Je me suis dit, tiens, Nicolas, c'est une bonne idée, je vais l'appeler Nicolas, le gosse. Tant plus qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'enfant qui s'appelait Nicolas. Il y en avait très, très, très peu. Nous sommes au début des années 1950. Jean-Jacques Sempé rencontre René Goscinny à Paris. Très vite, les deux hommes se lient d'amitié. Goscinny vient de passer quelques années aux États-Unis où il a collaboré dans diverses revues de bandes dessinées américaines. Quand le journal Le Moustique propose à Sempé de créer une bande dessinée, ce dernier se tourne vers son nouvel ami. Je m'en étais ouvert à René Goscinny. Je lui ai dit, mais moi, tu sais, je ne sais pas faire ça. Et puis quoi, trouver un personnage, moi, je ne sais pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Il m'avait dit, mais non, tu as tort, tu as un personnage, c'est Nicolas. Tu parles, un petit garçon, brun pour qu'on le reconnaisse. Et je lui avais dit, ben alors, à ce moment-là, d'accord, mais alors fais-le. Parce que moi, je ne saurais pas le faire. Si tu me fais les textes et tout, je veux bien essayer. Le Moustique les engage alors. Goscinny signe du pseudonyme Agostini. Le temps de quelques planches, le petit Nicolas apparaît sous forme de bande dessinée. C'est un martyr pour moi, parce qu'il fallait que je garde de la place pour les phylactères, pour les bulles. Et puis, c'est un travail d'enfer, et j'ai eu beaucoup de chance. Parce que René Goscinny s'est fait virer de cette agence de presse. Et moi, n'écoutant que mon sens du devoir et de l'amitié, je suis parti avec lui. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'arrêter la bande dessinée. C'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez créé, Nicolas. Oui et non, mais là c'est différent parce que c'était des dessins humoristiques. Non, mais en fait, Nicolas tel qu'il existe maintenant, en réalité, on l'a créé ensemble. C'est-à-dire, Sempé avait commencé à faire des dessins humoristiques dans lesquels il y avait un petit garçon, oui, qu'il a nommé Nicolas. Après quoi, nous l'avons repris ensemble sous une autre forme, nous l'avons abandonné et nous l'avons définitivement repris sous sa forme actuelle il y a de cela environ 3 ans.
En 1959, à la demande du rédacteur en chef Henri Amouroux, c'est dans Sud-Ouest Dimanche que le petit Nicolas va trouver sa forme définitive. Goscinny apporte tout son imaginaire d'écrivain et avec Sempé, ils créent ensemble dans une astucieuse alchimie des textes et des dessins tous les personnages qui vont égayer les aventures de Nicolas. On nous avait imposé une fois pour toutes, on nous avait donné un format. Je ne pouvais pas faire plus de dessins que ça. Un de cette taille à peu près et puis deux petits. Goscinny était très consciencieux, alors il savait le nombre de signes dont il disposait. Et moi, par conséquent, je voyais le nombre de centimètres qui me restaient. Il n'y avait pas de titre avant, non? Non, c'est quand on a fait des volumes que René a mis des titres. Non, il n'y avait pas de titre. D'ailleurs, ce n'était pas le petit Nicolas, c'était Nicolas. Ça n'a aucun rapport avec la bande dessinée. Ça n'a d'ailleurs aucun rapport non plus avec les paysages de sous-bois où les cerfs assoiffés viennent se désaltérer. Non, c'est comme ça. On peut se demander ce qui fait le succès du petit Nicolas. Je crois que le mieux sera de poser d'ailleurs la question aux auteurs. Je pense que c'est qu'il ressemble à n'importe quel enfant que nous connaissons, au nôtre en particulier. C'est un peu votre avis, Sempé, Goscinny ? Eh bien, oui, je crois. Le petit Nicolas est un enfant normal, c'est-à-dire il est gourmand, il est bagarreur, il aime jouer au football, il aime s'amuser. Ceci dit, il est très gentil, ce n'est pas un enfant terrible. C'est pas la faux Jojo. Non, absolument pas. Quand il lui arrive de faire quelque chose qui ne réussit pas, enfin, une gaffe, c'est plus une gaffe qu'une méchanceté, ce n'est jamais une méchanceté. Vraiment, nous avons essayé là de présenter un enfant comme le sont, nous pensons, nous espérons, la majorité des enfants. Et c'est pour cela que nous pensons enfin, que les enfants se retrouvent dans Nicolas et les parents retrouvent dans Nicolas leurs enfants en même temps qu'ils se souviennent de leur propre enfance. Alors, sans vos propres souvenirs ? Très souvent, oui, très souvent. Parce que moi, je conserve un assez bon souvenir de mes années scolaires. Parce que je me suis bien amusé, j'ai bien chahuté. Alors, j'aime bien dessiner les enfants pour ça. Comment peut-on, à 36 ans, imaginer, avec la précision que vous apportez à vos histoires, les réactions d'un petit garçon de 6 ans ou de 10 ans? Je crois que ce n'est pas difficile. Franchement, il suffit de se souvenir et puis d'observer un petit peu autour de soi. Et en observant, je me suis aperçu d'une chose qui a facilité mon travail. C'est que les enfants actuellement ne sont pas tellement différents des enfants de l'époque où j'avais cet âge-là. C'est-à-dire qu'ils ont malgré tout un peu les mêmes préoccupations. Ils aiment un peu les mêmes choses. Ils aiment jouer pratiquement au même jeu, ils sont toujours gourmands, ils aiment toujours manger des glaces et des bonbons et des caramels. J'avais dit, tu sais, moi je ne veux... En fait, je voudrais que ce soit un amas de gosses, mais qu'il y ait très peu de caractéristiques différentes entre les personnages. C'est peut-être aussi un refus de ma part, complet. Alors évidemment, nommé Alceste, je le faisais un petit peu plus gros, puisqu'il était gros. Mais les autres, ils se ressemblent tous. Ils ont des copains, vraiment des copains. Il y en a au moins quatre, en tout cas, qui ont des caractères très précis. Hein. Alceste. Eh bien, il y a Alceste, c'est le meilleur copain de Nicolas, c'est celui qui est de tous les coups. Alceste est un gros, c'est un gros qui mange tout le temps. Et quand on lui serre la main, elle est toujours collante, la main, parce qu'il y a toujours de la confiture dedans. Il y a Rufus, dont le papa est agent de police et qui a toujours sur lui un sifflet à roulettes, qui est un souvenir de famille, et c'est pour ça qu'il est toujours arbitre dans les matchs de football. Ça provoque des histoires parce qu'il est arbitre et joueur en même temps, alors il a tendance à favoriser son camp. Agnan, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Nous, on l'aime pas trop. Comme il porte des lunettes, on ne peut pas lui taper dessus aussi souvent qu'on le voudrait. Geoffroy, il a des tas de qualités intéressantes. Son papa est très riche et lui achète des jouets. Et Geoffroy les donne quelquefois aux copains pour finir de les casser. Eudes, c'est un copain qui est très fort. Il donne beaucoup de coups de poing, mais seulement aux amis, parce qu'il est timide. Clotaire, s'il est le dernier, c'est parce qu'il n'est pas fort en arithmétique, en grammaire, en histoire et en géographie. Quand la maîtresse l'interroge, il est toujours privé de récré. C'est ce qu'on appelle des archétypes, en fait. C'est-à-dire que dans le dessin humoristique, en fait, la plupart du temps, on fait des archétypes. Ça ne ressemble pas à quelqu'un de précis, ça y fait penser.
Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mes copains, mais je sais que je vous ai parlé du terrain vague. Il est terrible. Il y a des boîtes de conserve, des pierres, des chats, des bouts de bois et une auto. Une auto qui n'a pas de roue, mais avec laquelle on rigole bien. On joue à l'autobus, à l'avion, c'est formidable. Mais là, on n'était pas venu pour jouer avec l'auto. On était venu pour jouer au football. Le football, oui. Je ne veux pas demander un pourcentage supplémentaire, mais le football, c'est moi. Le football, c'était toujours moi. Parce que René Goscinny ne connaissait rien au football. Grand-père a 4 ans de plus que grand-mère. Grand-mère a 27 ans de plus que papa, qui lui-même est âgé de 3 ans de plus que maman. Maman a 20 ans de plus que Dorothée, laquelle a 11 ans de différence avec Michael qui a 1 an. Quel est l'âge de chaque membre de la famille? Et pourquoi pas l'âge du chien? 45 × 0. 0 fois 1, 0, je mets 0, 2 fois 5, 10, je retiens 1, 2 fois 1, 2, et en 3, 300, 0, 0, 7, 3. Ça, il aurait 12 multiplié par 12 égale 144, oui. 144 plus les 12 œufs égale 156, tu vois, ça doit être bon. Bon, alors, l'inspecteur, maintenant vous avez bien assimilé ce problème, si Pierre, au lieu d'avoir 12 poules, en avait... au lieu d'avoir 13 poules, avait 12 poules. Et il demande à un gosse, vous, combien c'est ce que ça aurait fait? Et le petit gosse répondra 155, moins 1, tu comprends? Hein, alors qu'il aurait dû répondre hein, 156 plus 12, 168. 156 plus 12. Ah mais non, 12. Il en a 12. On était très amis. Hein, je suis un des premiers qu'il a rencontré quand il est arrivé à Paris. Et lui aussi. On s'est rencontrés, nous étions donc très jeunes. Lui, il me semblait beaucoup plus âgé. Vous savez, à l'époque, 6 ans de différence, ça paraît énorme. Et apparemment, j'étais plus exubérant que lui. Mais en réalité, j'étais beaucoup plus timide que lui. Ce qui fait l'humour, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'alchimie. C'est un trait parfaitement adapté à un récit. Ce petit personnage est... graphiquement indissociable de sa fonction littéraire. C'est-à-dire qu'il existe sous la plume de l'un et sous le trait de l'autre, et on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Il y a des dessins partout, exactement comme un cahier d'écolier, dans lequel il y aurait une marge. Mon père écrit sur les lignes et Sampé dessine partout et tout le temps où il n'y a pas de texte. Quand il écrivait le petit Nicolas, il ne pensait pas du tout à ce que j'allais dessiner. Il racontait une histoire, puis après je me débrouillais. Je lisais son texte, ou lui regardait mes dessins, mais c'était même dommage d'ailleurs, on ne se faisait pas de réflexion, genre tu vois ton dessin là quand même, le gosse là qui court, il court mal, ou tu vois ce serait mieux s'il y avait un arbre là, ou il aurait, l'arbre il n'y avait pas la place, mais enfin quand même il aurait pu me faire une réflexion, et moi-même j'aurais pu lui dire, tu sais là, c'était impossible, c'était pas comme ça entre nous. Je pense que c'est super dur de trouver la bonne personne. Mais quand on trouve un bon tandem, tout d'un coup ça fonctionne, parce qu'une idée devient vachement drôle dessinée par l'autre. Donc chacun amène quelque chose, lui a besoin de moi, moi j'ai besoin de lui, moi je m'amuse et lui s'amuse. Goscinny, il écrivait son enfance idéalisée sûrement, mais il avait aussi besoin du dessin de Sampé, je pense que ça nourrissait ça. Le choix était... il était vraiment intelligent, là, sur le tandem. C'est rare, des duos aussi performants que Goscinny-Sampé. Il y a eu Goscinny-Uderzo. Et il y a eu Goscinny-Maurice. Vous vous rendez compte, oui, quel... Euh...
Le petit Nicolas paraît ensuite dans le nouveau magazine Pilote, où René Goscinny vient d'être nommé rédacteur en chef. Dargaud avait racheté Pilote, qui avait été lancé par RTL, figurez-vous. Ça s'appelait encore Radio Luxembourg. Et Dargaud avait nommé Goscinny comme rédacteur en chef. Et moi, je connaissais de réputation Goscinny, puisque c'était déjà le scénariste de Lucky Luke. Dès le premier numéro, Nicolas va côtoyer de nouveaux héros de la bande dessinée, dont Astérix le Gaulois, que Goscinny a créé avec Uderzo. Il travaillait sur la table de la salle à manger, qui était une grande table, comme ça. Et comme ça, il tapait à la machine. Une vieille machine à écrire. Et à côté de lui, il y avait un réveil. Et il me disait que chaque heure, il changeait de scénario. Et à l'autre bout, il y avait sa vieille maman, donc, parce qu'à l'époque, il habitait encore avec sa mère, qui tricotait. Donc c'était une ambiance très calme. Enfin, c'était très bien rangé, hein. Lui, il était en pantoufles, vous voyez. Ça, c'est les patins, même. Même quand il était rédacteur en chef, il venait tous les après-midi à Pilote, mais le matin, il travaillait chez lui. C'était un homme très classique, avec un look de notaire de province, ce qui fait toujours bizarre quand on parle de René Goscinny, qui a inventé Astérix, le petit Nicolas, des tas de personnages dans Lucky Luke, donné vie aux Dalton, etc. On se dit, mais comment ce type qui a fait mourir de rire des générations peut avoir un look comme ça? Moi, je crois que j'ai jamais vu mon père sans veste ou cravate. C'était l'homme au complet trois pièces, quoi. Donc, il était très classique. Il était très à cheval sur la bonne éducation. C'était pas nécessairement un rigolo. Goscinny a démarré comme dessinateur. C'est ça qui est important pour comprendre comment il a su, quand il est devenu rédacteur en chef de Pilote, réunir autour de lui une équipe de dessinateurs, de bons dessinateurs. Du 21 janvier. Je vous rappelle que le 583, nous avions dit la semaine dernière qu'éventuellement nous nous occuperions des scouts. Il y a déjà deux pages de technique du scoutisme de Debec. Il reconnaissait lui-même qu'il avait plus de talent peut-être à l'écriture qu'au dessin. Et c'était un écrivain. Je pense que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait tout sacrifié à l'écriture. Pilote innove en ce sens que la bande dessinée à l'époque, c'était très BD pour enfants, enfantine. Et on peut dire que c'est lui qui l'a sorti de l'ornière BD enfantine, quoi. Et lui, il a toujours voulu faire une BD pour tout le monde, pour les adultes, mais pour prendre les enfants pour des adultes, justement. Goscinny avait une faculté de travail que peu d'êtres humains ont eue. Il faisait énormément de choses, une quantité de choses. Et moi, je faisais pas mal de choses aussi, parce que je courais tous les journaux possibles et imaginables pour essayer de placer mes dessins humoristiques. Mais ça nous prenait un certain temps, oui. C'était pas un travail à plein temps, parce qu'on n'aurait pas vécu avec ça. On était tellement mal payés qu'on ne pouvait pas vivre avec ça. Moi, j'aime bien la pluie quand elle est très forte. Parce qu'alors je ne vais pas à l'école, et je reste à la maison, et je joue au train électrique. Mais aujourd'hui, il ne pleuvait pas assez, et j'ai dû aller en classe. Mais vous savez, avec la pluie, on rigole quand même. On s'amuse à lever la tête, et à ouvrir la bouche pour avaler des gouttes d'eau. On marche dans les flaques, et on y donne des grands coups de pied pour éclabousser les copains. René Goscinny, en fait, voulait écrire. Il adorait écrire. Il y a certaines phrases dans Le Petit Nicolas, je ne parle pas des gags, je ne parle pas des plaisanteries qui sont nécessaires à des contes humoristiques. Hein, je parle simplement de certaines phrases, quand il décrit un éclairage d'une salle de classe, quand il pleut.
les lumières sont allumées, que les petits gosses n'ont pas l'habitude de ça, le matin. En classe, la lumière était allumée, et ça faisait drôle. Et une chose que j'aime bien, c'est regarder sur les fenêtres, les gouttes d'eau qui font la course pour arriver jusqu'en bas. On dirait des rivières. Il y a certaines phrases comme ça qui me touchent beaucoup, parce que là, je savais qu'il était content d'écrire ça. J'étais drôlement content, parce que j'aime bien sortir avec mon papa. Et le marché, c'est chouette. Il y a du monde, et ça crie partout. C'est comme une grande récré qui sentirait bon. Alors ça fait 13,60, 13,60, 14,80. Au revoir. Oui, ça c'est la première édition. 1960. Ah oui. Un jour, il y a un éditeur... ayant vu par hasard ces histoires et ces dessins dans Sud-Ouest, qui nous a proposé d'en faire un volume. Et on était tout étonnés. Et puis on en a fait un volume qui n'a pas marché du tout. Le succès vient avec la publication du second volume, Les récrés du petit Nicolas, classé parmi les 50 meilleures ventes de l'année 1961, grâce entre autres à la participation des deux auteurs à l'émission littéraire Lecture pour tous. Jusqu'en 1964, les aventures de Nicolas, compilées en 5 volumes, deviennent des livres pour enfants, avec la bénédiction des parents et des enseignants. Le petit Nicolas rentre dans les écoles, où il devient support pédagogique pour dictées et adaptations théâtrales. Vous devez faire des pièces de 3 ou 4 minutes dans un lieu qui puisse être imaginable pour une pièce de théâtre, ne pas avoir trop de personnages et que chaque personnage ait un rôle intéressant. Alors, qui prend Nicolas ? Moi. Qui prend Alceste ? Moi. Ok. Qui prend Agnan ? Alors, en fait, on se dit des idées tous. Ouais, on s'est répartis les personnages. Ouais. Okay. Et puis donc après, on se dit des idées. C'est pas du tout les mêmes phrases. Il est très chouette, mon tétard. Il bouge beaucoup. Je suis sûre qu'il deviendra une grenouille terrible, qu'il va gagner toutes les courses. Je vais l'appeler... King. Je lui apprendrai à faire des tours à mon tétard, et quand il deviendra grenouille, il viendra quand je lui sifflerai. Mais regarde-moi dans quel état tu t'es mis! Tu as de la boue partout, tu es trempé comme une soupe. Mais qu'est-ce que tu as encore fabriqué? Et dans ce bocal, qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal? C'est King. Je vais apprendre à faire des tours et il viendra quand je lui sifflerai. Mais quelle horreur! Je ne veux pas que tu emmènes toutes sortes de sales bêtes à la maison. C'est pas des saletés. C'est propre comme tout et ça vit tout le temps dans l'eau. Et je vais apprendre à faire des tours. Tiens, voilà ton père. Nous allons voir ce qu'il en dit. Regarde, papa. Tiens, un tétard. C'est tout ce que tu trouves à dire. Je ne veux pas que cet enfant amène toutes sortes de sales bêtes à la maison. Bah, un tétard, c'est pas bien gênant. Eh bien, parfait, parfait. Puisque je ne compte pas, je ne dis plus rien. Mais je vous préviens, c'est les tétards ou moi. Je crois que nous n'avons pas le choix, Nicolas. Il va falloir se débarrasser de cette bestiole. Mais je ne veux pas qu'on fasse du mal à King. On est déjà drôlement copains tous les deux. Écoute, bonhomme, nous allons remettre le tétard où tu l'as pris. Et tous les dimanches, tu pourras aller le voir. Et en revenant à la maison, je t'achèterai une tablette de chocolat. Ben, d'accord. C'est là. Au revoir, King. Le petit Nicolas, c'est un monde extraordinaire où quand les parents se disputent, il n'y a pas de divorce à la clé. Et c'est ça qu'on voudrait pour nos enfants. On voudrait que ne se disputer que pour de rire... Et avoir une maîtresse qui fond sous ses airs exaspérés. Et voilà, c'est ça. Nicolas, ben voilà, il est à cet âge où il parle de tout, il regarde de tout, et il essaye de tout comprendre. Et je trouve ça génial, quoi. Il y a des théories croustillantes sur tout.
Il s'émerve, il voit des gens se fâcher, mais il ne comprend pas vraiment pourquoi, donc il échafaude une théorie, puis tout d'un coup l'histoire elle devient belle. Et il a envie que. Il y a un optimisme dans le petit Nicolas qui est génial, il a envie que le monde soit beau. C'est vrai qu'il a inventé beaucoup de héros qui sont petits, je pense à Joe Dalton, je pense à Is No Good est tout petit, le petit Nicolas n'est pas grand, Astérix. Il avait compris, je crois, la notion d'anti-héros. Il y a quand même un rapport à ces personnages, un rapport aux personnages qui ratent, une tendresse pour le loser qui est liée au personnage. Je peux vous dire que j'ai souffert parce que moi j'ai vraiment commencé ma carrière de dessinateur dans les années 80 et là on voulait du winner tout le temps quoi. Il fallait que ça marche, il fallait des vrais héros et quand on venait avec des héros qui étaient un peu voûtés, qui n'étaient pas de brillants aventuriers. Ça marchait pas. Et même dans l'humour, on voulait des trucs comme ça. On voulait des personnages qui étaient plus cyniques, qui étaient quand même un peu les maîtres de cérémonie, qui pouvaient se moquer des autres, mais eux, ils devaient quand même avoir une certaine classe. Et moi, j'étais vraiment en décalage parce qu'on trouvait mon écriture, on la trouvait 60s, 70s, quoi, complètement ringarde. Quand la première fois, je suis allé voir Goscinny, j'avais préparé des dessins, j'avais apporté des dessins. C'était des souvenirs de collège. Je ne savais pas que lui-même s'intéressait à l'éducation, si vous voulez, à l'éducation nationale. Très vite, il m'a dit, voyez, vous dessinez souvent un grand adolescent qui dépasse là et qui vous mettez au fond de la classe. Mettez-le plutôt au premier rang, c'est lui votre personnage. Et puis, il faut lui trouver un nom. Donc, c'est grâce à lui que j'ai fait le Grand Duduche, voilà. C'est l'école David Johnson à Bordeaux. C'est là que j'allais. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je n'ai pas fréquenté beaucoup d'écoles, donc j'avais fait un préau avec des tuiles, il y avait un arbre à l'intérieur. Deux arbres à l'intérieur. Ça a toujours été démodé. Quand on le faisait, c'était déjà démodé. Les écoles avaient changé, les gosses n'étaient plus pareils. Il y avait encore des culottes courtes, mais ça n'était pas systématique. Comme ça, j'ai l'impression que c'était un monde, par rapport au nôtre, qui me semble plus protégé. La manière dont les choses étaient faites aussi à l'école était différente, il y avait une manière de faire. Et puis après, bon, je pense que ce qui a évolué, c'est aussi la mixité, de manière plus générale, de la société, quoi, d'avoir des gens qui viennent d'horizons et de pays complètement différents, de cultures complètement différentes. On n'est plus dans le profil d'un enfant tradition catholique, enfin qui a cette culture-là, il y a un brassage énorme. Et s'il y a un noir, un blanc, un noir et un blanc. Moi, je trouve que c'est bien placé comme ça. Il y a des plus grands, plus petits. T'es raciste, toi ? Mais non. Si, une blague. Pas ça. Bah, blanc, c'est pareil. Non, mais dis pas ça, c'est raciste. Non. Sont les dessins de Sampé qui donnent envie de lire. Et parce que c'est plus que de l'illustration, vous voyez, c'est pas un illustrateur. Sampé, il a son monde à lui, mais qui collait parfaitement avec le monde de Goscinny. On peut s'attarder sur un dessin de Sampé, vous voyez, on découvre toujours quelque chose de beau ou de drôle. Sampé, il donne à voir du dessin. Mes moyens techniques étaient très, 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 très réduits. Hein. Et puis les moyens de reproduction, à l'époque, étaient très sévères. Et puis j'avais un trait trop fin pour les journaux, pour ce qu'on appelait le papier journal. Donc j'étais obligé de forcer un peu. Non, ça me demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est pas l'observation.
ce sont les conséquences de certaines situations qui, je crois, induisent, génèrent une certaine imagination. Mais à mon sens, ça n'est jamais l'observation. En 61, je suis allé le voir chez lui. Il était en train de faire l'intérieur d'un grand magasin avec une foule de personnages. Et j'ai vu qu'il avait... C'était la troisième mouture du dessin, donc il avait déjà fait... C'était un grand dessin comme ça à l'intérieur des galeries Lafayette. Et pour la troisième fois, il refaisait son dessin parce qu'il m'expliquait que l'angle là n'était pas bon. Donc là, j'ai pris une leçon de dessin. Dans les dessins de Sempé, vous avez toujours un décor formidable, quoi, qui replace. Et l'individu est toujours tout petit au milieu d'un... Ou bien une foule, ou bien une ville, mais... Son talent vient beaucoup des décors, de placer les personnages dans un décor donné. Le trait de Sempé, c'est une mélancolie, quelque chose qui est autour de la solitude de l'enfance dans ses dessins, qui est génial, quoi. Enfin, vraiment, on sent l'écrasement de tout le monde des adultes avec des petits bonshommes qui marchent en bas. On sent beaucoup moins l'optimisme chez Sempé. Le tandem, il est particulier parce que Goscinny, il y a un côté très, très optimiste, très, très rigolo comme ça. Et Sempé, il y a un côté extrêmement mélancolique. On nous a fait tous descendre dans la cour et le directeur est venu nous parler. Mes chers enfants, il nous a dit, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'à l'occasion de son passage dans notre ville, Monsieur le ministre va nous faire l'honneur de venir visiter cette école. Vous n'ignorez peut-être pas que Monsieur le ministre est un ancien élève de l'école. Il est pour vous un exemple qui prouve qu'en travaillant bien, il est possible d'aspirer aux plus hautes destinées. Je tiens à ce que Monsieur le ministre reçoive ici un accueil inoubliable et je compte sur vous pour m'aider dans ce but. J'aimerais être ministre de l'Éducation nationale. Et tu ferais quoi ? Mettre plus de temps pendant les récréations. Rallonger les récréations ? Combien de temps elles devraient durer les récréations ? 45 minutes. De ne pas interdire les ballons dans la cour. On pourrait aller à l'école quand on veut. Ah oui, et aller au moins à l'école deux fois par semaine. Mademoiselle van der Blerg, qui est professeure de chant, nous a fait chanter la Marseillaise. Il paraît que ce n'était pas trop réussi. Allez, un, deux. C'est vrai que nous étions un peu en avance sur les grands. Eux, ils en étaient au jour de gloire qui est arrivé, et nous en étions déjà au deuxième étendard sanglant qui est levé. Le lendemain, quand le ministre est venu, ça s'est bien passé. Mais nous, on ne l'a pas vu, parce qu'on nous avait mis dans la buanderie. Et même si le ministre avait voulu nous voir, il n'aurait pas pu, parce que la porte était fermée à clé. Il a des drôles d'idées, le directeur. Un style totalement artificiel. C'est-à-dire que... un langage pseudo-enfantin... jamais débile, mais complètement artificiel. Il n'y a pas un enfant qui parle comme ça. Mais la magie du truc, c'est que quand vous le lisez, vous dites évidemment c'est un enfant qui parle. Et non, c'est pas un enfant qui parle, c'est un homme brillant qui écrit. Maman. J'aime beaucoup ma maman et je lui obéis toujours. Il vaut mieux parce que sinon ça fait des histoires. Maman me dit souvent qu'il ne faut pas dire c'est chouette tout le temps. Quand maman veut montrer que je suis bien élevée, elle m'habille avec le costume bleu et la chemise blanche. Et j'ai l'air d'un guignol. Moi, je n'aime pas trop quand maman me dit que je suis un grand garçon parce que tout de suite après, j'ai de gros ennuis. Papa. Quand il revient du bureau, il est fatigué. Et il n'a pas tellement envie de faire mes devoirs d'arithmétique. Il me dit souvent qu'il est très fort en rédaction et que ses professeurs disaient qu'il y avait du Balzac en lui. Mémé. Il y a des tas de bonbons dans le sac de Mémé. Des en chocolat et des en caramel. J'aime bien papa et maman,
mais il me donne jamais autant de bonbons. Monsieur Blédur, c'est notre voisin. Avec papa, il ne se parle pas. Ce qui est amusant, c'est que papa et Monsieur Blédur se disputent tout le temps. Et chacun dit que l'autre n'y connaît rien aux cartes. Et maman dit qu'ils sont insupportables. La maîtresse, quand elle devient toute rouge, ça lui va très bien. Elle est presque aussi jolie que maman. Mais chez nous, c'est plutôt papa qui devient rouge. Le directeur. À chaque fois qu'il entre dans la classe, la maîtresse dit « Debout les enfants !» Et lui, il répond tout de suite « Assis !» Le bouillon. C'est notre surveillant. On l'appelle comme ça parce qu'il dit tout le temps « Regardez-moi dans les yeux !» Et dans le bouillon, il y a des yeux. C'est les grands qui ont trouvé ça. C'était très enveloppé dans un humour qualifié de gentil, mais quelquefois, c'était assez féroce quand même. C'est ça la difficulté, c'est de faire un humour à plusieurs degrés peut-être. Premier degré, c'est très gentillet, et puis quand on relit, on voit qu'il y a une satire de la société plus marquée, quoi. Moi, je n'aime pas les filles. C'est bête, ça ne sait pas jouer à autre chose qu'à la poupée et à la marchande, et ça pleure tout le temps. Bien sûr, moi aussi, je pleure quelquefois, mais c'est pour des choses graves. C'est une constante chez les enfants, ouais, de cet âge-là, de ne pas se comprendre entre les deux sexes, quoi. Il y a vraiment un fossé qui va être complètement comblé dans les années qui suivent, mais là, en tout cas, franchement, les garçons, c'est rare qu'ils aient... Enfin, ils trouvent que les jeux des filles sont stupides, les filles, elles trouvent que les garçons sont nuls. C'est pas... moi, je le fais dans le sens... C'est machiste parce que c'est des garçons qui parlent, mais si des petites filles racontent leur enfance, elles vont pas dire que les garçons, c'était des êtres formidables, d'une noblesse incroyable, et qu'elles les admiraient. Souvent, elles les trouvaient sales, stupides, et complètement craignoses. Allez, Younes, tu commences ? Marie Edwige. Hier, elle a demandé si je voulais qu'on joue ensemble, et moi, j'ai dit oui. Stop, tu t'arrêtes là. Même si c'est une fille, elle est très chouette, Marie Edwige, qui est toute rose, avec des cheveux jaunes qui brillent, des yeux bleus, et un tablier à carreaux bleus qui allait très bien avec ses yeux. Tu sais, m'a dit Marie Edwige, que je prends des leçons de danse ? Alors Marie-Edwige a agité les bras et les mains pour faire comme si c'était des ailes. Et c'était très chouette. Plus tard, m'a dit Marie-Edwige, je serai une grande danseuse. J'aurai une robe blanche avec un tutu, tu sais. Et je danserai dans des théâtres partout dans le monde. À Paris, en Amérique, à Arcachon. Et toi, tu serais mon mari. Et tu serais derrière le rideau. Et tu m'apporterais des fleurs, tu sais. Oui, j'ai dit. Alors expliquez-moi pourquoi, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de filles dans les histoires du petit Nicolas. J'y aide. Les garçons et les filles étaient séparés. Oui. Donc, ils allaient dans des... Des écoles différentes. Dans des écoles différentes. D'accord. Maintenant, c'est mieux que ça soit mixte parce que y a plusieurs idées et comme ça, on peut en discuter plus longtemps pour mieux savoir. Et des fois aussi, les filles peuvent servir. Elles peuvent servir à quoi, alors, d'après toi ? D'écrire. D'écrire, parce que les filles, ils ont des plus petits doigts que nous. Bah, déjà, on n'est pas que bonne à écrire, on est aussi bonne à réfléchir, parce que sinon, on n'aurait pas d'aussi bonnes notes. Hé, hey Nicolas, a crié Eudes. Tu viens au terrain vague, on va jouer au foot. D'habitude, le foot, c'est ce que j'aime le plus après maman et papa. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas tellement envie d'y jouer avec les copains. Et puis tous les autres se sont mis à courir autour de moi et à crier « Nicolas est amoureux, Nicolas est amoureux !» Amoureux, moi ? Ils me font bien rigoler. Comme si on pouvait être amoureux d'une fille, même de Marie-Edwige. Bon, tout ça, c'est des blagues. Ah, Vicky, elle aime Rémi. Samuel et Julien, ils s'aiment. Ils font, vous voyez, ils font des aveux en papier avec une lettre d'amour et ils se les lancent. C'est cela. Oui, c'est ça. C'est ça.
Marco, il aime toi. Je posais la question à Marco. Moi ? Mais moi ? Ouais. Même pas, hein. Il me l'a dit, toi. Tu sais qu'on fait semblant qu'elle pleurait, là. Est-ce que... Une fois, je l'avais suggéré, oui, longtemps après, un jour, je lui avais dit, tu vois, puisque les écoles sont devenues mixtes maintenant, je parle garçons et filles, ce serait amusant, parce qu'il y aurait eu des bagarres avec les professeurs, les petites filles, etc., etc. Mais c'était une simple suggestion, comme ça, et puis on l'aurait sûrement fait, hein, on aurait sûrement fait un volume de ça, oui. Sur le fait que brusquement, il y avait des filles qui rentraient dans l'école. Johan, Bessie, Johan, depuis ce matin, tu n'arrêtes pas de te disputer avec les uns et les autres. On n'a rien dit? Et va du tête de moule. Et après, t'as dit avec ta tête de moule, là. Je vois du tête de moule. Si. Répète ce que tu as dit, comme ça, au moins, on saura que tu n'as pas dit... Tête de mule. Tête de mule. Tu l'as quand même traité de tête de quelque chose, alors que je vois pas de quoi tu te mêles. Je t'envoie là-bas pour faire quoi? Pour me calmer. Et qu'as-tu fait? Je sais pas. Ils ont l'impression que tu me prends pour une idiote, là. Hein? C'était un attrait merveilleux et incomparable. D'être chahuteur, d'aller jusqu'à la limite où peut-être on ne serait pas puni, mais si on franchissait telle limite, on était puni. Et rien n'était plus délicieux que de franchir une limite et de ne pas être puni. Tandis que maintenant, évidemment, moi, je pose des questions parfois à des enfants. Je dis, mais si tu faisais ça, non, je ne serais pas puni. Parce que je dis, bon, c'est dommage. On enlève une joie immense qui est de franchir cette limite, qui est une chose délicieuse quand ça marche. Quand ça ne marche pas, évidemment, on a perdu, on est puni. Mais quand ça marche, c'est merveilleux. Ça vous donne du bonheur pour toute la journée. La maîtresse a puni Alceste. Il doit écrire 100 fois « Je ne dois pas battre un camarade qui ne me cherche pas noise et qui porte des lunettes. » Je ne dois pas oublier mes affaires de sport 50 fois à faire signer par les parents. Non, 10 moi, ou 5 la première non, fois. Moi, c'est la quand j'ai oublié mes affaires moi, de sport, moi, c'est 50 fois. Et aussi, des fois, bah, moi, je ne dois pas taper. Oui, puis je suis en CP, j'ai eu que 2 punitions. Et aussi, moi, des fois, on est puni de récréation. De punition, des fois, c'est des récréations. Là, quand elle nous enlève. Je ne dois pas crier quand la cloche donnant le signal de la fin de la récréation et de la rentrée des classes a sonné. Je ne dois pas crier quand la cloche donnant le signal de la fin de la récréation et de la rentrée des classes a sonné. Bon, je vais vous donner le sujet de la rédaction pour demain. Ce que je ferai plus tard, c'est-à-dire ce que vous avez l'intention de faire dans l'avenir, ce que vous aimerez être quand vous serez de grandes personnes. Compris ? J'étais bien content parce que le sujet de la rédaction était facile. Et puis la cloche de la récré a sonné et nous sommes descendus dans la cour. Moi, a dit Eudes, je serai pilote d'avion. Ah non, j'ai crié. Le pilote, ce sera moi. Tu veux mon poing sur le nez ? Agnan, ce sale chouchou, nous a bien fait rigoler en nous disant qu'il serait professeur. Moi, j'aimerais bien être vendeuse de voitures. Vendeuse de voitures, tiens, c'est original. Explique-nous pourquoi. Parce que j'aime bien les voitures. J'aime bien les voitures. Oui, je travaillerais que chez Ferrari. Ah oui, les voitures de luxe alors. Moi, j'aimerais bien être danseur de hip-hop parce que je danse bien et je n'en pratique plus mes 6 ans. Et alors, c'est bien faire du hip-hop parce que au moins on peut passer à la télé.
Alors, ce qui t'intéresse, ce qui te motive, toi, c'est de passer à la télé. Non. Non ? C'est de danser. De danser. Moi, j'aimerais être infirmière parce que ça, j'aime bien aider les gens quand ils sont malades ou qu'ils ont une maladie. Et puis, ça m'intéresse parce que tu travailles tous les jours. Ah, il y a beaucoup de métiers où tu travailles tous les jours, Rachel. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas qui travaillent le dimanche, quoi. Pas trop. Donc, toi, ce qui te motive, c'est de travailler le dimanche ? Enfin, tous les jours, quoi. Moi, je voudrais être patron du restaurant à mon père. Patron du restaurant à ton père ? Ouais. Alors, précise-nous pourquoi, alors. Parce que j'aime bien les crêpes. Ah, parce que tu aimes bien les crêpes. Un petit côté Alceste, alors, toi. C'est pas les banquets, mais c'est le restaurant de crêpes. Ouais. Et de gaufres. Hein ? Et de gaufres. Et des gaufres ? Ouais. Oh, d'accord. Quand tu pouvais tous les chats, les chats de Bubelle, on dansait la samba, le jazz, la java, en chantant et en claquant des doigts. Fort de son succès national, Nicolas va se mettre à voyager. Il se révèle alors capable de parler slovaque, allemand, japonais, polonais, bulgare, italien, coréen, espagnol, anglais. Ça prouve que Goscinny avait créé des archétypes qui ont la vie dure et qu'on retrouve aujourd'hui encore, qu'on retrouvera demain aussi. Tous les personnages, tous les écoliers sont encore d'aujourd'hui. C'est ça qui est étonnant, parce que ça, c'est rare de ne pas être daté vraiment. Moi, je pense que mes dessins sont beaucoup plus datés, par exemple. C'est juste que le petit Nicolas, ça a changé la manière de voir l'enfance et d'écrire sur l'enfance. Et que c'est parce qu'il y a le petit Nicolas que j'ai pu faire Titoff aujourd'hui. Donc je lui dois ça. 50 ans après la création du petit Nicolas, 27 ans après le décès de son père, Anne Goscinny retrouve plus d'une centaine d'histoires inédites. Elle offre alors une nouvelle vie au petit héros. Le tome 1 sort en 2004. Avec 80 aventures. En octobre 2006, c'est le tome 2 qui voit le jour, avec 45 nouvelles histoires. C'est des nouvelles aventures, pas totalement inédites, puisque elles sont quasiment toutes parues dans Sud-Ouest Dimanche et Sud-Ouest, même dans Elle. C'est des histoires qui n'ont pas encore été publiées en livre, qui du vivant de mon père n'avaient pas été publiées en livre, non pas parce qu'elles étaient moins bonnes, mais parce qu'ils avaient fait leur bouquin chez De Noël avec Sempé, et que chacun, comme on l'a dit, était passé à autre chose, avait vogué vers d'autres horizons. Donc moi, j'ai retrouvé toutes ces histoires, tous les tapuscrits de ces histoires, j'ai pu rechercher les sources, je les ai donc trouvées imprimées dans certains journaux. J'ai retrouvé les dessins de Sempé, et pour celles dont on n'a pas retrouvé les dessins, Sempé a redessiné. Notamment ce dessin-là. Celui-ci aussi, je crois. Oui, ça sont de nouveaux dessins. Ouais. Celui-là, c'est un nouveau dessin. Celui-là aussi. Lui dit que les enfants qu'il a redessinés sont trop grands par rapport à ceux qu'il faisait à l'époque. À ça, je lui réponds que c'est normal puisqu'ils ont grandi. Moi, je ne savais pas qu'on en avait fait autant. Comme je l'expliquais l'autre jour à Anne, la fille de René Goscinny, je lui disais, ton père était très ordonné, il rangeait tout. Moi, c'était épouvantable. J'étais, et je suis toujours, très désordonné. Et je ne savais pas qu'on avait fait autant de choses. Il paraît qu'on en a fait plus de 300, je crois, il me semble.